Salut à toutes et à tous la même compagnie ici M'Colo, comment allez vous pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le 18e 18e hein, j'ai dit hein, épisode de madventure les amis comment allez vous regardez c'est incroyable top 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 ah oui alors attendez j'enlève mon stuff regardez c'est la première vidéo avec de nouveau mon skin traditionnel ça y est c'est la fin de l'hiver on s'approche du printemps ça fait plaisir du coup voilà et vous le remarquez les amis qu'est ce que c'est que ça regardez le, le, le ressource pack ça a l'air d'être du faceful Pourtant l'armure ça a l'air d'être du coterie craft et, et pourtant la lune elle, elle est super belle ça n'a rien à voir avec le faceful bah, Qu'est-ce qui se passe Eh bien regardez les amis je me suis fait mon petit plaisir, ça faisait longtemps que je l'ai plus fait Le M-Colo pack Les amis comme euh, il y a quelques années ce que je m'étais fait chier à faire je l'ai refait aujourd'hui en 1.15.2 Mon ressource pack avec eh bien, la compilation de, de ce que j'aime dans les ressources packs C'est-à-dire les armures du coterie les textures du faceful et tous les tableaux, tous les paintings que j'ai, euh, bah, qui existent sur le, sur le jeu, ont tous été customisés. Je vais vous montrer ça tout de suite, les amis. Regardez comment c'est. Je, je suis trop content. Ça va vraiment tout changer à l'aventure. Regardez. Alors, c'est pas magnifique. Là ici, mon petit logo. Là dans la chambre de BXNo. Voilà, BXNo et moi-même, Tiki Summer. Ici la parodie de Big Feuilly sur la lune. Voilà. Franchement. Et tous les tableaux ont été customisés, donc je suis trop content. Je me suis un peu cassé la tête à faire tout ça, mais ça fait très 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 plaisir, les amis. Aujourd'hui, 18 e épisode de ma euh, J'ai fait il y a quelques jours. Alors je sais pas euh, quand. Oh euh... là, je vais pas vous spoiler. Je vais pas vous spoiler. Attendez, attendez. On reste ici. Donc j'ai fait un live en fait sur Twitch il y a quelques jours de cela. Si vous si vous avez manqué d'ailleurs ce live. Pas de panique, on va faire un petit point en ce début de vidéo. Vous pouvez regarder toute la rediffusion en entière si vous le voulez. C'est disponible sur ma chaîne YouTube M-Colo Live. Je mettrai en description euh, bah, la rediffusion si, si vous voulez aller voir. Et en fait, dans, dans ce live, on a, on a fait beaucoup de minage, On a décoré un petit peu eh bien, mon M-Cocon. Et euh, on a... Euh, bon bref, je vais vous montrer. On a commencé... On a fait le livre des abonnés aussi. Je vais vous montrer tout ça. Regardez, on va monter dans mon M-Cocon. Euh, merci à tous de suivre la série, vraiment les amis, c'est top. Regardez, Ouh. Euh, what the fuck, ça c'était pas prévu. <laughs> Alors ça c'était pas prévu en fait, euh, ça faisait pas partie de la décoration. Alors voilà, merci à toi. Euh, c'est que c'est pas assez écla éclairé. de hein. toute façon, j'ai dit il faudra qu'on mette des, faudra qu'on mette, vous savez les Zen rods, voilà. Donc voilà au niveau de la déco. Regardez ici le petit euh, petit coin euh, pacifique avec du feuillage. Ici un petit canapé. Enfin voilà, franchement là je suis assez content de ce petit coin. Ici petit coin avec euh, vous savez ici c'est les coffres cobble un peu minage etc donc voilà un petit coin euh, décoré euh, à cette façon et ici le petit coin end avec voilà les potions la euh, table d'enchant et tout enfin voilà je suis assez, assez content c'est assez smooth il y a pas trop de déco c'est pas trop surchargé mais du coup ça rend bien ça fait moins bizarre c'est plus c'est plus chaleureux et en même temps c'est pas trop abusé après on pourra toujours ajouter de la déco si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez euh, des des, des. des idées. Il y avait quelqu'un en commentaire, je me rappelle, qui avait dit de faire un, une fontaine au milieu, ou euh, un cactus, je crois, je ne sais plus. En tout cas, cette personne se reconnaîtra. Et eh bien j'avais complètement oublié, ça vient de me faire tilt à l'instant. Et eh bien on le fera. On le fera, je le ferai, euh, je, je le ferai. Parce que je sais plus c'était quoi l'idée euh, exactement. Alors les amis, qu'est-ce qu'on va faire pour euh, cet épisode J'ai un plan, regardez, alors j'ai déjà ce qu'il me faut sur moi, je vais vous en parler. Mais d'abord je vais vous montrer le livre des abonnés, du coup, que j'ai commencé en live, puisque donc dans le dernier épisode, euh, je vous avais dit, bah mettez en commentaire si vous voulez que je vous mette dans le livre des abonnés. Regardez, voilà. Donc si vous vous voyez yeah, c'est cool. Et euh, si vous vous voyez pas, bah n'hésitez pas euh, en commentaire de cet épisode à me dire je veux être dans le livre des abonnés. Donc voilà, on a les Cristal, Iman Mitar, Lilian M, Pokécraft. Je vais pas tous les citer, je vais juste défiler les pages. Je vous laisse le temps de voir si vous euh, trouvez votre pseudo. Donc pour le moment, on a quasiment quatre pages. Voilà, ça fait plaisir. Et comme je l'avais dit dans le live, ça fait extrêmement plaisir de voir vos pseudos regroupés ici, parce que vraiment il y a des pseudos qui me suivent depuis très longtemps que je m'en rappelle. Il y a des pseudos voilà, où vous m'avez proposé des objectifs et c'est trop cool de, bah, de vous voir ici quoi. Voilà, c'était une très bonne idée d'avoir le livre des abonnés. Et j'ai des nouveaux objectifs que vous m'avez donc euh, proposés en commentaire dans le dernier épisode. Donc ça, c'est les objectifs qu'on avait déjà, euh, déjà mis. Et voilà, nouvel objectif, c'est d'être niveau 100. Alors, ça, c'est euh, Corail et Julia Kila qui m'ont proposé cet objectif. Avoir tous les types de fleurs, ça c'est Lucimat qui l'a proposé, faire une statue géante de mon skin, j'avais déjà cette idée de faire ça à l'époque mais je l'avais jamais fait c'est vrai, bah ça c'est DSM Myers qui l'a proposé, avoir un stack de Golden Apple, c'est The Boss qui me l'a proposé, alors à la base il avait proposé de faire un stack de pommes cheat mais on peut plus les crafter depuis un petit moment donc ce sera un stack de Golden Apple et d'ailleurs on a bien avancé, regardez je vais vous montrer... On est, on, a, on est à 7. D'ailleurs, le minage, regardez, le minage a été fructueux. Hein. Regardez tout l'or que j'ai récupéré, d'accord Regardez tout le fer que j'ai récupéré. Et regardez tout le diamant. Voilà, ça m'a fait 13 blocs de diamant Donc c'est vraiment pas mal. J'ai aussi récupéré de l'obsidienne. Parce que du coup, j'ai fait une ender chest. Vous m'aviez proposé en commentaire pour pouvoir... Regardez là, derrière ma pioche, euh, elle va être cassée. Donc je l'ai mis là euh, en sécurité. Faudra la réparer. En attendant, j'ai pris cette pioche sur moi. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai fait une ender chest parce que, comme dit, j'étais là en train de vouloir planquer mes coffres. Mais c'est vrai, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a rappelé que je pouvais utiliser un ender chest. Et d'ailleurs, regardez, je vais faire ça tout de suite. Je vais sécuriser ça euh, juste là. Il y avait quoi encore dans le coffre Ah mince Il y avait ça. Voilà, hop. Ça, vous saurez bientôt ce que c'est. Euh, du coup, du coup voilà, au niveau des objectifs, je n'ai pas fini. Avoir euh, toutes les laines, comme dans la saison 1 de Madventure, aventure, c'était assez sympa. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va avoir un rapport. Vous allez voir, ça va être très, très, très intéressant. Vraiment, je ne vais pas vous spoil. On va attendre encore 30 secondes et je vais vous dire ce qu'on va faire. Donc, c'est Christophe euh, Gras, ou Christophe Gras, Christophe Gras, je ne sais pas comment on prononce. Avoir toutes les laines. Il y a Marie qui m'a demandé sadiquement d'avoir tous les CD, donc comme la saison 1. Et euh, Lilian Mornay qui m'a proposé d'avoir 5 tridents, sachant qu'on en a déjà un. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, les amis, avec tous ces objectifs, on a pas mal d'objectifs de collection, c'est-à-dire avoir euh, un stack euh, de blocs de diamants, avoir 5 euh, tridents, avoir toutes les laines, avoir tous les CD. Et donc, ce que j'aimerais faire, comme la saison 1, j'aimerais, donc de ma j'aimerais faire un monument avec tout ce genre de choses. Et en fait, en regardant là-bas, euh, ce beau champignon, d'ailleurs, regardez, il faut que je vous le montre, hein, parce que c'est incroyable. On avait vu ça en live, mais vous voyez ce champignon, il est beau, il, il a sa place dans le décor, genre. Il a l'air grand parce qu'il passe par-dessus les arbres. En réalité, euh, il n'en est rien. Regardez, je vais vous montrer. C'est assez incroyable. <laughs> je vais vous montrer directement, vous allez comprendre. Hop, on va s'envoler. Regardez, en fait c'est un bug. On va se poser là. Hop, en fait ce n'est rien d'autre qu'un bug. Regardez, ça n'a ça aucun sens. Le champignon est possédé, le champignon est en train de voler, quoi, tu vois. Mais de loin, ça rend stylé. Du coup, en fait, en voyant ce champignon, ça m'avait donné une idée que j'avais envie de faire depuis très longtemps, de toute façon. Je voulais absolument faire une maison champignon. À savoir, je voulais m'installer... Euh, Tiens, on va se mettre sur le toit de la maison. C'est intéressant. D'ailleurs, on a accès au coffre ici. Euh, ouais, je voulais faire une, une maison champignon. Genre m'installer dans un champignon géant, voilà, aménager ça. Et du coup, je me suis dit, bah tu sais quoi on va faire un monument, mais pas comme la saison 1, on va pas copier euh, tout de la saison 1. On va faire un monument, genre euh, à laine, avec euh, les CD, euh, enfin bref, tout, tout ce qui est en rapport avec les objectifs que vous m'avez proposés. Et on va faire un monument, mais du coup, dans un champignon géant. Après, voilà, on, on, on fera un truc souterrain, mais je veux dire, l'entrée du monument, ce sera un champignon géant. Du coup, j'ai pris sur moi, alors j'ai pris échafaudage, des coffres, du bois, peut-être pour la déco, mais surtout du champignon rouge avec plein de bonnes milles. Et on va essayer de voir ça ensemble, les amis. On va essayer de se faire une maison champignon pour les objectifs, d'accord Alors où c'est qu'on va l'installer Ça, je ne sais pas encore. Voilà, je voulais vraiment me, me garder un peu la surprise en vidéo. J'aimerais vraiment m'installer à un endroit où je vais pas déranger BXNo. Donc, ce qu'on va faire. Et puis, j'ai pas envie que ce soit trop loin non plus. Du coup, ce qu'on va faire, on va partir là-bas, parce que je pense que là-bas Marion n'a pas envie de s'installer pour le coup. On, on va attendre, on va voir. On va déjà aller voir, explorer un peu à quoi ça ressemble. Bon, après, c'est des marécages. Si on va là-bas, si on va là-bas, il oui, y a plein d'animaux ici. Regardez dans ce petit coin-là. Près de l'eau, parce que d'ailleurs, oh ouais, il y a une épave. Mais ici, je ne sais pas si Marion veut s'installer, parce que c'est très joli ici là. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Et c'est vraiment à côté du village, mais j'aime beaucoup. Et, euh, et comme il y a un objectif aussi de faire une base sous-marine, je me dis carrément que ça aurait sa place ici. Enfin là, je, je suis en train de me dire ça en direct. Hein. C'est-à-dire que là, on pourrait se faire une base sous-marine. En plus, regardez là-bas, il y a de la lumière. Il y a les coraux et tout. Genre, on pourrait se faire une base sous-marine ici. Là-bas, il, il y a une jungle. C'est fantastique en plus. Eh, hey, cette jungle, elle a été explorée ou pas Je sais plus. Attendez, on va juste faire un petit tour. Eh, hey, j'ai l'impression qu'en 1.15, c'est plus simple de s'envoler avec les ultras. Voilà, petite parenthèse. Je sais pas si cette jungle a été explorée. Je pense que oui, parce que c'est juste à côté, mais... Ah bah regardez, il y a un temple. On va on aller va checker. On va voir si ça a été... Euh, si ça a été exploré. Parce qu'après, il faut savoir que tout n'a pas été exploré. Hein. C'est impressionnant. Hein. Par exemple, au spawn, dans le, dans le live, j'ai découvert qu'à côté du spawn, il y avait un, un donjon à squelette que personne n'avait vu. Et euh, Donc là, je me dis peut-être que ça n'a pas été exploré non plus ici. Voyons voir. Ah, si ça a été exploré, il y a une torche. Ah bah tiens, allez, je prends ça. C'est gratuit, nickel. Allez, ça a déjà été exploré, mais ils n'ont pas tout pris, donc euh... aïe Donc c'est bueno. Regardez, il reste encore des flèches. Moi, je prends. Hein. On prend tout ce qu'on peut prendre. Hein. Ok. Bon, ça a déjà été exploré. Mais, euh, mais ouais, du coup, c'est sympa cette petite, euh... enfin cette petite jungle. C'est pas la jungle qui m'intéresse. C'est euh... d'ailleurs, il faudrait qu'on retrouve la sortie. Alors, est-ce que je vais réussir à, à, à me renvoler c'est bon. Alors attends, il faut aller où Parce que je suis perdu, c'est par là-bas. Hein. Waouh, regardez, c'est trop beau les coraux. C'est magnifique. Mais est-ce que c'est bien là que je voulais aller Ouais, c'est ça, c'est de là qu'on vient. Donc vous voyez, ici on pourrait s'installer pour se faire une base sous-marine. Je sais pas si Marion donc est d'accord. Là, on a justement la maison donc, de Marion qui est en train de s'afficher. Voilà, où on est installé dedans. Et ouais, je me dis, faire la maison champignon ici, ça peut être pas mal. Genre avec les objectifs. Mais du coup, je sais pas si elle veut s'installer là ou pas. Enfin, si elle veut faire quelque chose ici. Et comme on est quand même un petit peu sur, bah sur son territoire, je vais pas faire des trucs n'importe comment. Euh, en tout cas, pour la base sous-marine, je garde l'idée de la faire là. N'hésitez pas à me dire euh, si, si ça peut être une bonne idée. Et pour ce qui est du de la salle objectif champignon, ouais, un peu par là, ça peut être sympa ici en vrai. Hein. Genre en vrai. Après le problème, c'est que là il y a les marécages et les. Je sais pas, je vois pas de champignons dans les marécages. Je trouve ça fait un peu con. Enfin les champignons géants dans les marécages. Ça me donne pas spécialement envie. Euh, on, va, on va explorer par là-bas. Ah, je viens de voir une grotte à droite. Voilà, ici dans la dark forest. En vrai, regardez. Non mais en vrai on va se mettre là. C'est bon. Allez, c'est décidé. Vous savez pourquoi Parce que du coup, dans le live, il y avait euh, BX No qui était présente du coup. Et euh, je lui avais demandé. Euh, parce qu'à la base, ce champignon, je pensais qu'il était euh, normal, tu vois, alors qu'il est bugué. Et je me suis dit putain je vais m'installer dans ce champignon. Et elle m'avait dit que dans cette zone, ça la dérangeait pas. Et là on est vraiment juste à côté de. de, de la maison. Elle a dit que si ça dénature pas le paysage, ça la dérange pas. Donc je me dis que ici, genre là, on peut tout raser en gardant les arbres devant là pour faire vraiment une. En fait, j'ai envie de faire un trou dans tous ces arbres, tout reterraformer et faire un champignon géant, mais qui sera caché. Euh... Vous voyez ce que je veux dire Qui sera caché par les grands arbres. Ah, oh, c'est une bonne idée ça. C'est une très très bonne idée. Ça dérangera pas Marion parce que ce sera, euh, comme dit, caché euh, dans les arbres et puis ce sera très joli en même temps. Hein. On va pas se mentir, ce sera très joli. Bon. Du coup on va faire ça, on va... Va falloir qu'on rase tout ça. Évidemment je vais pas. Je vais vous épargner tout ça, hein. Je vais raser tout ça, on va faire une ellipse. Par contre, ce que je vais me permettre de faire, comme j'ai récupéré beaucoup de diamants. Ah, elle a fait une cascade ici. Hmm. Intéressant. Franchement, enfin, je... oui, je pense que c'est elle qui a fait ça. Je suis en train de vous spoiler tout ce qu'elle va vous montrer en vidéo, hein. je suis désolé. Hein. <laughs> euh, ouais, du coup, euh, ce qu'on va faire, comme dit, comme j'ai plein de diamants et qu'il me faut une hache, on va se faire un petit plaisir. Alors je sais que voilà, il faut qu'on ait un stack de blocs de diamants, mais le diamant, c'est aussi fait pour faire des crafts. Hein. Ce qu'on va faire, les amis, vous m'avez très très bien compris. On va se faire une hache en diamant, qu'on pourra même, pourquoi pas, enchanter à l'avenir. Hop, on va se faire les sticks. Ah, ça, ça donne qu'un seul stick, attendez, je me suis fait arnaquer. Très pratique les bambous, hein, pour le coup. La table de craft là-bas, je pense que je vais en mettre une de l'autre côté parce qu'à chaque fois je cours à l'autre bout et ça m'embête un peu pour le coup. Hop, voilà la petite hache en diamant qui fait très 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 plaisir. On remet le diams ici et on est parti du coup pour un petit peu euh, déforester tout ça. Non parce que vraiment regardez, avant que je fasse l'ellipse, ce sera caché. Tu vois là on voit un peu euh, des champignons, bah ce sera un peu l'idée. On verra un champignon géant mais caché derrière les arbres donc on verra pas un gros trou, ce sera pas trop dérangeant. Donc, c'est assez sympa. Bref. Donc, les amis, je vais commencer à couper. Et puis, je vous retrouve, euh, eh bien, juste après. À tout de suite. Et les amis, pendant que je coupe du bois, laissez-moi vous parler de mcolo.fr. Si jamais vous avez créé une map que vous voulez que je la teste en vidéo, je fais toujours les découvertes de vos maps. Ça se passe dans l'onglet Contact sur mon site mcolo.fr. C'est le premier lien dans la description. Et je me permets aussi de rajouter que Eneba, mon partenariat, vous propose Minecraft moins cher et que vous avez 3% supplémentaire de réduction avec mon code mcolo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. C'est également dans la description. Eneba vous propose des jeux à prix complètement... Voilà, dig up. Bien, les amis, je vous retrouve après avoir coupé quelques arbres. Alors, oui, il y a le problème, c'est qu'il y a encore les feuilles qui restent parce que j'ai laissé quelques bûches visiblement. Et le problème, c'est que ces feuilles là, je pense qu'elles vont pas partir comme il y a encore des arbres à côté. En fait, j'ai vraiment cassé euh, pas mal de bois. Donc là, attendez, parce que j'ai rangé ici. Regardez, voilà. Ça va. En vrai, j'ai pas coupé énormément. Alors ça fait beaucoup de bois, ça c'est cool. Mais j'ai pas coupé énormément. Ça me fait une petite zone. Et là, j'ai vraiment de quoi me faire un, un champignon assez grand. J'ai pas besoin de plus. Là-bas, il y a un creeper qui a explosé. J'ai dû un peu reboucher, mais j'ai plus de terre, donc va falloir que j'en recherche. Et, euh, et en fait, je vais pas faire plus grand parce que sinon, le risque, c'est vraiment que ça dénature le tout. Et en fait, je me, je me rends compte que juste à côté, on a de nouveau le, le. Enfin, on a déjà le village en fait, du coup. Donc euh, ça va, ça va très vite. Tu vois, on est assez proche. Donc pour éviter de dénaturer, on va se contenter de ce petit cercle qui est déjà assez pas mal. On va pas on va on va pas se mentir. Je vais juste mettre la chaleur ici, ce sera bien mieux. Du coup, on va, on va tenter de faire pousser un champignon. Je sais même plus comment faire. En plus, je voulais regarder un tuto avant de commencer, je l'ai pas fait. Donc je suis un peu bête. Euh, je sais qu'il lui faut de l'ombre, mais ouais. Pour le coup, j'ai même pas pris de bloc sur moi. Attends, bon, je reviens. Comme ça, je vais chercher. Je reviens, je vais chercher de la terre comme ça, voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, du coup, maintenant, j'ai ma terre. C'est ma terre où je m'assois et du coup, oui. Oh, donc attendez, je voulais reboucher. Donc comme dit, euh, le truc que j'ai causé à cause d'un creeper. Voilà, c'est comme ça. L'herbe elle va repousser, hein. Pas de panique. Voilà, beaucoup mieux. Il eh, faudra bien safe tout ça, mettre plein d'éclairage, etc. Parce que là pour le moment les torches c'est pas joli. Et euh, du coup alors, il faut normalement. Donc déjà on va faire le point central, donc le milieu. Bah voilà pile au, au niveau du soleil. Ah bah non mais, de toute façon le soleil il peut pas être pile. Et on va faire là, tac. Et là je peux pas poser. Alors, ah oui, attendez, il faut que je fasse ça. Vous inquiétez pas, les amis. Hein. Je m'en rappelle, par contre, je sais plus combien de blocs faut monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dirais. Allez, 7. Puis après, il faut faire ça, je crois. Puis si c'est pas ça, on pourra, on pourra recommencer. Euh... Voilà. Puis après, il faut recreuser, c'est ça Je sais plus du tout. Mais c'est ça qu'il faut faire, je crois. Il me semble c'est ça qu'il faut faire. Franchement, si c'est du one shot, je suis trop fort. Euh, non, voilà. Oh punaise, ça a marché. Parfait. Donc, la bonne mille. Oh yes, ça a marché. Bon, ah oui, il est très, il est très petit le champignon. Bon, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire. Euh... Ah ouais, mais du coup, j'ai que 3 champignons. Alors, ce qu'on va faire, du coup, comme j'ai plein de bonnes milles, on va casser le champignon pour euh, récupérer bah, d'autres euh, pousses de champignons. Tu vois, là on en a 5. Comme ça on pourra faire plus de, bah, de champignons géants quoi. Et en fait, vous l'aurez compris comment je veux faire. Je veux faire plusieurs champignons l'un à côté de l'autre. Et les relier ensemble, tout simplement. Voilà. Et puis comme ça, ça nous fera euh, la base. Et évidemment, euh, pour tout ce qui est le monument avec les objectifs, donc le monument à laine, ça pourra pas rentrer dedans. Hein. Donc euh, on fera un souterrain. Mais je veux dire, la structure d'accueil, ce sera ce champignon. Voilà. Je pense que je suis clair. Hein. Je pense que euh, vous avez très bien compris où je veux en venir. Euh, donc c'est cool. Et puis encore une fois, voilà tous les si vous avez des objectifs à me proposer, encore, bah, n'hésitez pas en commentaire toujours à continuer de me proposer ça. Parfait. Donc là c'est nickel. Euh, donc je l'ai mis à trois blocs d'ici, on est d'accord Attendez, laissez-moi calculer. Alors une, deux. Ok, donc laissez-moi calculer. Une, deux, une, deux. Donc il faudrait que je plante mon champignon là, le deuxième, d'accord Ok. Donc je vais faire la croix. Ensuite, on prend la terre. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, c'est bien 7 de hauteur du coup. Ça marche bien. Tiens, d'ailleurs, je vais casser ça. Ça va être un peu chiant. Voilà. Hop, au bon, moins la terre est tombée. On casse ici. Et on va se faire le deuxième champignon. Bon, ça va, en vrai, c'est pas, pas gigantesque. Mais je pense qu'on le fera à plusieurs étages. Ce que je veux dire, c'est que... Là, vous voyez, c'est pas imposant, mais on mettra un champignon encore au-dessus, juste pour que ça ait de la gueule. Vous voyez ce que je veux dire Ouais, ah, on va faire ça bien. Ah, Je vous promets, on va faire ça vraiment bien. Alors, hop, en bas. Ah non, mais ça, ça me plaît pas par contre. Mais en tout cas, voilà, les amis, euh, petites, euh, petites impressions, euh, comme ça, je peux aussi en parler, par rapport au live que j'ai fait sur Twitch. On n'était pas nombreux. Il euh, y en avait pas mal qui suivaient le live, mais qui pouvaient pas écrire dans le chat, parce que du coup, j'imagine que vous aviez pas de compte euh, Twitch. Mais euh, c'était bien sympa et, et j'en referai. Après, ça m'empêchera pas de refaire des lives sur YouTube. Évidemment, je compte refaire des lives sur YouTube. Mais voilà. Comme dit, si je fais un peu des lives sur Twitch, c'est pour varier. Hein, c'est un peu pour changer, varier les plaisirs en fonction de mes envies, euh, de mes humeurs. Voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, pas d'inquiétude. Je vais pas euh, que stream sur Twitch et je vais pas que stream sur YouTube. Je me fais un peu, un peu les deux. Euh, voilà, là, histoire de me faire un petit peu plaisir. Ah Yes Parfait Là, ça c'est bien. J'espère que là, on va y arriver du premier coup. Oh putain, c'est nul. Je n'aime pas. Je, je sais que je peux terraformer ou à la limite rajouter encore une... Oh. Non, mais j'ai pas de bloc, j'ai pas de silk touch sur moi là, la flemme. Non, vas-y, la flemme, j'aime pas. Y'a pas un... Ah bah voilà, mais putain, vous auriez pu me le dire. <laughs> la hache, ça va plus vite. Ah oh, bah si j'avais su. C'est super cool ça. Bah nickel, mais bah ça change ma vie. Allez. Yes. Eh, j'ai plus d'un stack de champignons rouges. Plaisir. Yes. Et là, ouais, j'ai bien fait. Comme ça, c'est pas symétrique et à l'intérieur, on a encore plus d'espace. Ah, c'est fantastique, les amis. Et tu sais quoi, on va mettre un champignon ici au milieu, genre. Pas symétriquement, mais ça fera l'entrée, tu sais quoi. Je pense que c'est une bonne idée. 4, 5, 6, 7. Est-ce que je suis fier de moi Non, pas tant que ça. Ah, squelette Ok laisse-moi au moins faire ça. Ok c'est bon. Allez calme-toi frère. Alors, t'en dis quoi de mon arc <laughs> Powercat, machin. On l'avait fait en vidéo l'arc, c'est vrai, j'avais oublié mais on l'a fait en arc. On a fait en vidéo, pardon. Cet arc, il est tellement cheaté, je suis trop content. Ça touche euh, du feu de Dieu. Oh waouh regardez Avec mon ressource pack le champignon, comment il est stylé Oh bah nickel. Oh on a une moule On a une moule et du coup les amis, il euh, y aura des fenêtres et tout, ça va, être, oh, ça va être génial, ça va être génial. On va faire ça, hein. mais du coup l'entrée on va la faire là, tu vois, juste ici. Je pense que c'est une très très bonne idée, une entrée genre, pas qu'elle discrète. Ou alors là, ah je sais pas, vous en pensez quoi on je suis pas en live hein, donc vous pouvez pas me répondre en direct. Euh... <laughs> Par contre je vais prendre une, sil une pioche silk touch ou une pelle silk touch si j'ai, parce que... Ah, faut que je récupère ça. Parce que j'ai pas envie de casser. Pour le coup, j'aimerais récupérer au cas où je fais une bêtise, d'accord Donc, on va rentrer à la maison déjà comme ça, on va pouvoir dormir. Euh, mais comme ça, on va pouvoir. Tu vas te calmer, toi. On va pouvoir euh, se prendre une silk touch, très clairement. Ça va être plutôt cool. Ces arbres-là, ils ont été rajoutés ou ils ont été mis naturellement là Parce que je trouve ça très joli. Je trouve ça bien sympa. Alors regardez, ça fait une petite frontière les arbres. Je pense qu'ils ont. Je pense que c'est Marion qui les a mis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je. Je sais plus. <laughs> je ne sais plus rien. Ok, du coup, euh, ouais, par contre, j'espère que j'ai une Silk Touch sur moi. Hein. Enfin, que j'ai une Silk Touch à quelque part. Euh, ah, bah, c'est bon, j'ai une pioche Silk Touch. Fantastique. Je vais la prendre sur moi euh, à la place. Tac. Eh, mais attendez. Ah, euh, ah attends, j'ai une pelle aussi, je vais prendre une pelle sur moi. Comme ça, ça sera fait. Euh, et, et, et bah, la chair putréfée, je vais la laisser ici, on s'en fout, elle va pourrir. Faudra se faire une poubelle aussi. Je sais pas si Marion va faire une poubelle dans sa maison. <laughs> Mais ce serait plutôt intéressant d'avoir une poubelle. Voilà. Euh, ce serait plutôt pratique. Ok. Donc j'ai la Silk Touch. On va pouvoir dormir. Regardez d'ailleurs, les amis. On va dormir sur mon petit canapé. Tranquillou pilou. Oh, et c'est trop bien avec mon ressource pack. Les décos qu'on va pouvoir faire. On va mettre des tableaux. Pareil, dans le même MCocon, on va pouvoir mettre des tableaux. Je vais vous montrer un peu. Regardez mon ressource pack du coup. Est-ce que j'ai des tableaux déjà euh... Non, ça c'est item frame. J'aime plus comment on craft un tableau. Ah, je sais plus comment on craft un tableau. On va trouver ça facilement. Je sais qu'il faut des sticks. Là, voilà. Ah, il faut de la laine et des sticks. Ah, ça tombe bien, la laine, j'en ai plus. J'ai une bonne haleine, mais. Ah, si, là, j'en ai. Ouais, c'est bon, on peut mettre n'importe quoi. Euh. Bah, attends, tu sais quoi Je vais mettre la bonne mille ici, j'en ai plus besoin. Comme ça, je vais récupérer la laine. Et il me faut des sticks. Alors, attendez, on va faire ça direct. Vous allez voir tous les tableaux. Hop. Enfin, la majorité des tableaux, parce que je pense qu'on pourra pas tout mettre. Euh. La laine, hop. Parfait. J'ai encore de la laine bleue ici. Hop, nickel. Et je vais ranger la laine supplémentaire ici. Donc ça me fait 4 frames. Regardez. Bon, je vais mettre là pour, pour l'exemple. Bon, ça, vous l'avez déjà vu. D'accord. Ah bah, il n'y a que celui-là. Hein. Ok, ici, il n'y a que ça qui veut. Ah voilà, regardez. Là, il y a ça. Est-ce qu'on peut avoir un autre tableau, éventuellement Voilà, il y a celui-là. Ok. Je sais plus, je crois qu'il n'y a que ça en horizontal. Hein. Enfin, en vertical, je crois. Euh... Ah ouais, là, oh mince. Vous le voyez pas en grand, c'est dommage. Alors, ah oui, il y a celui-là où on, on pointe le volcan avec BXNO de Tiki Summer. Trop stylé. Ça, vous avez déjà vu. Voilà. Pareil, le render pour euh, Christmas Craft, la série de Noël. Oh là là, j'adore. J'aimerais bien le truc en grand que. Oh, attendez, je vais faire comme ça. Voilà, MCO Park, vous avez vu Ah oh là là. Pareil là, Christa Christmas Craft, Christmas Craft, ah là là, Dicky Summer, enfin voilà. Ah là, ça c'est euh, Louane, parodie de Louane. Enfin voilà, j'ai vraiment utilisé tous les, voilà, là c'est euh, Balance ton quoi de Angèle, enfin voilà. Et eh, vraiment il y a tout, il hein. y a vraiment de tout. Je suis trop content, voilà, je suis trop content. On va pas se mentir. Tiens pour le moment on va on va mettre les tableaux. Ah bah oui il y a ça, regardez les grands tableaux aussi. Ça c'est euh, la parodie de Soprano. Hop, je vais les placer comme ça pour le moment. Voilà, allez, on va les laisser ici pour le moment. Et ceux qui n'ont pas le ressource pack et qui viennent sur le serveur, ils vont voir ça et ils vont faire. Mais il a craqué. Et en plus, ça rend bien. hein. Ça rend vraiment bien comme ça. Hein. Bon, bref, allez. Trêve de, de plaisanterie. J'ai ma Silk Touch. Ici, on se fera un petit chemin sympa. Euh. Et du coup, voilà, là, j'hésite où faire l'entrée. Donc, c'est pour ça que la Silk Touch est là. Est-ce qu'on peut J'ai trop peur. Oh, si ça marche, c'est bon. Comme ça, ça nous évite de faire des bêtises. Soit l'entrée on la fait là. Alors attends, on va juste reboucher ça. On mettra un sol et tout. Mais soit on la fait là, soit on la fait de ce côté-là. C'est sympa aussi. Donc du coup, je ne sais pas. Hmm. Ah, parce qu'en fait, je ne sais pas par où on viendra. Est-ce qu'on viendra par là Très sincèrement, je pense pas parce que ça nous fait faire un détour. Je pense qu'on viendra plutôt de là. On fera un chemin safe. Ouais, je pense qu'on viendra plutôt de là. Donc. Donc ouais, soit l'entrée... Ouais, je pense, je pense en vrai, l'entrée, on va la faire là. Je trouve que c'est plus original. C'est plus original de faire l'entrée là et mettre une fenêtre ici, vous voyez. Hop. Voilà, et là, on mettra une fenêtre, du coup. Nickel. Ah Non Put... Bah oui, bah j'ai plus la bonne mille. Put... Bon, ça va. Plus de peur que de mal, en vérité. Y'a pas trop de trucs détruits... Et voilà. Ah un squelette, nickel. Oh. pour une fois, je suis content de voir des squelettes. Ouais. Ah si c'est bon, il m'a drop. Nickel. Bon. Nickel. Oh, regarde, il y a encore un clipper. Mais arrête, non, non, là tu vas pas me la, la refaire. Hein. C'est bon. Bon, voilà. Bon les amis, tout est tout est rentré. Euh, voilà. tout est rentré dans l'ordre. En principe, si ça réexpose pas, tout est voilà, tout est comme avant. Hein. Nickel. Là, il y a juste des feuilles en haut. C'est un peu con. Par contre, c'est bien les feuilles qui sont là, comme ça, en vrai. Si ça fait pas trop con. Genre là, ça fait un peu con. Mais tu sais, ça fait encore plus intime. Ça fait que c'est recouvert et tout. Enfin, bon, bref, voilà. Allez, on va y arriver. Donc là, j'ai ma, pelle... enfin, ma pioche Sick Touch. Donc là, on fait une porte, comme dit. Là, hop. Ici, il y aura une fenêtre. Euh, Est-ce que. Oh, on va garder ça, je pense. Et là, normalement. Si tout se passe bien. Voilà, ça communique avec l'autre, enfin les deux autres champignons. Ah oh, ouais. C'est grand hein. C'est spacieux. Et en plus ça continue, je crois. Hein. Oui. Oui, monsieur. Ah bah c'est Et eh, en vrai les amis, ça fait plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est drôle hein. Vous trouvez pas Voilà. Oh, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et voilà. Là oh on peut faire une grande ouverture du coup comme j'ai fait... Euh... Ah non ça c'est pas bon. Alors heureusement que du coup je peux remettre. Ah ça j'aime pas. Ah ça je trouve ça fait très con. Euh, comment faire Non. Comme ça. Parfait. Genre regardez de l'extérieur ça fait petit. Enfin ça va. Et en fait l'intérieur c'est tout de suite plus grand. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est ouf hein. Ok là c'est bon. Ah non c'est pas bon, bon c'est pas grave. Ça me plaît de, ouf, de fou. Par contre ouais, on va torcher indirectement hein, euh, avant de faire le quoi que ce soit. J'ai pas envie qu'il y ait des monstres euh, qui spawnent à l'intérieur. Euh, j'ai plus de torche si c'est bon. Tout va bien. Et on va voir pour les fenêtres. Bon déjà on va en faire une ici. Ah mince j'ai utilisé ma, ma pelle, je suis bête. Une fenêtre ici. Parce que on, de toute façon on va vraiment privilégier les fenêtres, comme ici on mettra pas de collection ou quoi. Par contre là il y a de la terre, ça c'est con. Alors, heureusement que j'ai encore sur moi du champignon. Là, une petite fenêtre. Et puis voilà, là on peut mettre aussi une petite fenêtre. Regardez ce que je vois là-bas. Euh, je pense qu'ici on va casser. Voilà. Euh, pareil, ici on va casser pour se faire un peu plus d'espace encore. Et là on va laisser parce que j'aime bien là si je casse ça ouais je me disais euh... C'est embêtant ça ça m'embête j'aime pas quand c'est euh, pas logique Non mais c'est bien au moins ça... c'est bien ça rajoute du rouge à l'intérieur Donc on va laisser ça si je casse ici Ah très bien ça très bien regardez hop Voilà comme ça on agrandit un peu l'espace à l'intérieur mais oui, attendez Suis-je bête Oh là là, c'est génial Regardez, on est à l'intérieur d'un champignon Oh c'est génial. Vas-y, je casse en haut. On peut casser. Ah non, là par contre, on peut pas. Ouais. Là je peux. Là non. Ah là là, et quand on fera le sol et tout. Là, c'est bien, comme dit, comme je casse un peu, euh, je rajoute du rouge un peu, donc c'est vachement sympa. Pour ajouter plus de couleurs comme ça, tu vois. Un peu random. Là, on, on va laisser. Ah, là, je peux casser. Non, je peux pas casser, mais on va augmenter la hauteur. Hein, mais là, je peux casser, mais c'est fantastique. Attendez, hop. Voilà. Oh là, ça... et les amis, là, je suis content. Hein. Ça va être très 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 sympa. Hein. Bon, j'aime pas trop euh, le fait que ce soit trop bas maintenant. Donc euh, on va un peu tricher. Voilà. Et bah ben voilà. Comme ça, tout est au même niveau. Putain, c'est bon ça. Et juste parce que ça me stresse, mince, on va reboucher les trous, mais on mettra un autre sol, vous inquiétez pas. Voilà. Tiens d'ailleurs je sais pas si le sol on va mettre du, du champignon Ou pas ou si on met du bois Mais je pense plutôt on va mettre du bois Et, euh, et, et ouais et donc dans l'idée Voilà il y aura des compartiments pour pourra descendre Et ce sera les, les monuments quoi c'est bon ça Ok du coup euh, Je vais poser ma shulker ici euh, J'ai du bois Donc ce qu'on va faire on va faire une table de craft On va mettre ici en attendant Je vais mettre ça là Ça là et puis, euh, et puis voilà. Alors, ouais, non, il nous faudra des vitres. Ah, on va se faire une porte aussi. On va, c'est eh, quoi On va faire une porte en dark. Je sais pas si ça rend bien. Oh, ouais, ça peut, euh... ça peut rendre intéressant. Hein. On va voir. Pas gaffe aux creeper. En vrai Alors, si vous avez d'autres idées, les amis, vous me dites en commentaire. Vraiment, hein, j'attends tous vos retours sur toute cette maison champignon. Si vous avez une... Mais en tout cas sinon, euh, moi j'aime bien. Mais voilà, si vous avez d'autres idées, les amis, euh, bombardez, hein, vraiment. Hein. Même des idées de comment aménager. Euh, si vous avez une idée pour le sol, euh, autre que ce que je vais faire. Mais euh, bah, n'hésitez pas. Voir si on peut peut-être mettre du sol euh, comme ça. Après, ça ferait peut-être un peu trop sombre. Oh, bah attendez, je l'ai pas fait exprès, mais ouais, si on fait ça comme ça. Oh, bon, comme dit, vous me dites en commentaire si jamais. Hein. Mais, je crois que je tiens un truc. Sachant que c'est coloré, ça va être rouge un peu dans tous les sens. Hop, on va en mettre là la porte. Dépêche-toi, j'ai pas envie qu'un creeper me pète dessus. Enfin, me pète dessus. Euh... <laughs> bon, c'est drôle, hein. Ouais, ça peut être sympa ce sol comme ça là. Hein. Faudra vraiment bien sécuriser autour parce qu'à tout moment il y a un creeper qui peut péter. Et euh, c'est assez chiant à reconstruire les, les maisons champignons pour le coup. Hein. Hop, Mince, ça ça me plaît pas. Et comment je fais là Ah bah, comme ça. <laughs> J'étais en mode bah, comment je fais Ah, c'est embêtant. Et ben voilà. Et ben il me restait tout pile deux bûches de bois. Impeccable. Euh, vite rééclairé par contre. Le temps 2. Et ben c'est nickel tout ça. Et tu sais quoi, à la limite, j'ai envie de casser ce poteau. Bon comme dit, je peux toujours remettre. Hein. Si jamais, comme j'ai Silk Touch. Mais je pense que c'est une bonne idée. Et laisser celui-là, comme ça, ça fait un peu en parallèle. Et là on a vraiment de l'espace pour aménager, je sais pas ici je pense, mettre des coffres ou quoi. Je pense que c'est une bonne idée, tu vois. Oh là là, je suis content. Je suis content. Franchement, j'ai des bonnes idées ou pas <laughs> Franchement, c'est vraiment cool. Franchement, je suis assez satisfait. Je vais ranger euh, un peu tout ça. Non. Hop, je vais ranger un peu la déco ici. Enfin la déco. Tous les trucs de bois qui vont mettre utiles là-dedans. Euh, parce que je pense pas qu'on va continuer là pour le coup. Euh, parce que. Bah, il me faut des... Il, faudra... il faut que je fasse des vitres, etc. C'est un peu relou. Euh, va falloir aussi faire donc... Euh... Champignon géant par-dessus, je sais même pas, je sais même pas en vrai, c'est peut-être pas obligé. Peut j'aime bien, j'aime bien comme ça rend, comme ça. Y a même pas besoin de faire un truc plus imposant. En vrai, je voulais faire un truc plus imposant, mais déjà là, c'est très sympa. Mais après, si jamais, vous me dites en commentaire ce que j'en pense, on verra. Et peut-être j'ajouterai un, une couche supérieure au-dessus pour faire ressortir le champignon. À voir. Mais en tout cas, ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà. Et c'est trop, trop cool. Je suis vachement content. Et bah, du coup, on va pouvoir s'en arrêter là, les amis, tranquillement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il a failli virer au cauchemar avec le Creeper, mais c'est bon. Ça s'est bien dénoué. Enfin, le dénouement était, était heureux. Donc, euh, bah, voilà. En commentaire, donc, vous me répondez aux questions que je vous ai posées. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci d'avoir suivi. On se retrouve très, très vite pour de prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était MColo. Ciao tout le monde!